la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Le papa qui est en chemise là, monsieur, levez-vous. Comment vous appelez? Vous venez d'où? Viens ici. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas marché, nous sommes dans une église. Où est ta femme? Tu me connais? Hein? C'est pas la télévision. Je t'ai dit quelque chose tout de suite. Peut-être que tu sais, mais on va parler. Le monsieur, c'est qui? Vous voulez. Il ne sait pas parler français? Hein? Il peut parler. Regardez-moi, monsieur. Vous savez pourquoi je vous appelle? Vous savez pourquoi je vous appelle? Je peux traduire en. Tu sais pourquoi je t'appelle? Pourquoi? Est-ce que le vieux là, il sait pourquoi? Tu sais pourquoi il t'appelle? Faut le parler. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Quoi ça? Je connais. Tu connais? C'est ta femme qui est là. Ça va? Hein? Oui. C'est bon, parent. Vous savez, je vous aime bien. Faut traduire ça. Mais je n'aime pas ce qui est en vous. On a donné au monde, c'est bon. Tu as quoi? Tu as quoi? Ta femme. On a devenu. Sorcière. Sorcière. Femme de sorcellerie, c'est sorcière. C'est pas mauvais si tu apprends un peu français. C'est sorcière. Tu as voulu tuer ton fils? On a ma vie barrée. Il dit quoi? Il dit ça n'a pas marché. Oui ou non? On le sait, en fait, ça n'a pas marché. Oui. Je ne te dis pas ce qu'on a fait, mais ça n'a pas marché. Oui. Tu voulais le tuer? Oui. Ou le manger? Oui. C'était pour quand? Tu voulais le tuer quand? 5 jours. 5 jours passés. Pourquoi ça n'a pas marché? On a devoir se marcher loin. Hein? Tu as fait comment? Hein? Comment il a sauvé? Il a fait que tu l'as suivi. Hein? Il a fait que tu l'as suivi là-bas. Et là-bas? Il dit c'est Dieu qui a fait tout ça. Puis il vous a vu là-bas. Sinon, tu allais le manger. Hein? Très bien. Dans ces temps, s'il y a quelqu'un qui est venu te voir ici, c'est qui? Alors je dis non, non, dis non, quoi, dis non, quoi, ne dis pas non. Hein? Mon petit frère, il était venu faire quoi? Il est venu me voir. Très bien. Pour le faire, je fais 2 mois ici. Hein? Pour le faire 2 mois. Faut bien me regarder. Ta femme et toi et ton frère, vous m'avez poursuivi à Lyon. Qui? Je suis en train de parler quelque chose de très sérieux. Faut bien m'écouter. Et quand vous êtes venu à Lyon, ta femme s'est transformée
comme un oiseau. Quand je suis descendu de l'ascenseur, l'oiseau m'a frappé à l'œil. Pour le transmettre ce que j'en veux dire. On a deux flasons, on a des pierres, comme on a moi, Magnoy, ma dégâts, on est en amour, maman, on s'est un aimant, Parce que ton frère dit, vous avez loupé, vous n'avez pas donné votre viande, parce que lui, c'est le bœuf que vous devez offrir pour le mois de janvier. Donc, il est venu t'encaisser. Et comme vous savez que c'est moi, je ne sais pas dans quel truc, moi, je n'avais pas eu la nuit, mais dans la journée, m'avait attaqué. Je lui demande, c'est vrai ou faux? On a de poids Il dit c'est vrai. Très bien. Maintenant, quand ça s'est passé, moi je n'ai rien vu, je suis allé dormir. J'ai eu beaucoup de choses. Vous n'avez pas pu pénétrer ma chambre. Quand je suis rentré sur Paris, ta femme s'est transformée en un blanc qui était en costume. Elle est rentrée dans l'ascenseur. Elle m'a arraché l'œil et elle est partie avec ça. Tu l'as fait ou pas? Et quand je suis allé dormir la nuit, mon œil, je ne voyais plus de l'œil. Mon œil, je ne voyais plus. C'est dit, mais elles sont stratégiques, ils savent que l'œil là, c'est ça qu'ils voient plus. Mais voici, non? Comment tu me trouves aujourd'hui? Notre avion devait décoller à 14h, heure de France. Ça a décollé à 16h. D'abord, nous avons dit 15h. Il y a eu un retard à 15h et c'est parti à 16h. Moi, j'étais en première classe. Quand j'ai demandé, il y avait deux oiseaux qui sont rentrés dans les trucs. C'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui avez fait ça. Vous avez rentré dans le. Parce que l'avion est resté à terre pendant des heures. Personne ne comprenait. Zadie est venu à moi à l'avion. Sois béni, mon fils. Lui, on est venu dans le même vol. Je suis en train de t'expliquer maintenant ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu tellement de choses dans l'avion, je n'ai pas envie d'expliquer. Ce qui s'est passé, parce que je voulais expliquer à certaines personnes, le Seigneur dit, tais-toi. Quand je suis descendu à l'aéroport, pendant que je prenais mes bagages, le monsieur, on a encore vu un oiseau qui est revenu, qui m'a frappé, qui m'a tapé à l'aéroport. Les gens qui étaient autour ont vu que c'est parti. On a donc un violon, on s'y a eu au pitié. Comme pour l'avion n'a pas marché, le plan B. Mais voici, est-ce que je ne suis pas vivant? Quand j'ai quitté la région. Quand j'ai quitté la région, ceux qui m'ont vu, j'ai expliqué. Les gens pensaient que c'était Apollo. Ce n'était pas Apollo. Je n'ai pas voulu expliquer. Parce que même quand j'ai mis un médicament dans mes yeux, ça n'allait même pas du tout. Tous les médicaments que je mettais, voici mon œil. Le noir que vous voyez était devenu blanc. Le noir, vous voyez là, ça avait pris la couleur de blanc. Donc je ne voyais plus. C'est là que j'ai compris que quand quelqu'un est aveugle, c'est grave.
Madame, Dieu a ramené mes yeux. Moi, je sauve votre enfant et c'est moi qui voulais tuer. Comment tu expliques ça? On a un parce que ton frère qui est parti, lui, il n'a pas pu. C'est lui qui devait me tuer la nuit, il n'a pas marché. Donc vous m'avez attaqué dans la journée. N'est-ce pas? Non. Hein? Mais est-ce que je suis mort? Non. Mais dans un film, c'est le brave qui gagne toujours. N'est-ce pas? Vous avez commencé, non, vous avez bandé. C'est la fin du film. Amen. J'ai gagné. Amen. Hein? Mais voici, j'ai gagné. Voilà. Mon œil, je ne voyais plus mon œil là. Je sentais plus. Même quand je touche, j'essaie de mettre des médicaments, ça s'aggrave. Je sentais plus mes yeux. Puis quand le Seigneur dit tranquillise-toi, ça va se régler. Et je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, maintenant, là, je ne parle plus de ce que j'ai vu comme attaque. Le Seigneur m'a montré une bonne stratégie. Je suis resté calme dans mon coin et j'ai géré ma situation. Amen. Lui et moi, on savait ce qui s'est passé. Mais j'ai vu que les sorciers ont changé de stratégie. Depuis ce matin, il y a un sorcier de la Guinée qui avait un message à Armel. Mais j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qui s'est passé. Il a envoyé, il nous a appelé depuis ici. On a mis en contact avec Armel. Il a rencontré ce qu'il pouvait rencontrer. J'ai dit à Mel, lui, c'est fautif. Il a envoyé un message ce matin. Amel m'a emmené que les sorciers de Divo, de la Côte d'Ivoire, l'ont envoyé pour me tuer. Moi, je l'ai envoyé un message. Il dit, quand on dit tuer quelqu'un, on ne dit pas. On le tue. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Amen. C'est ça. On a parlé avec lui. Je suis devenu plus fort. Amen. C'est des risques que nous prenons pour s'occuper de vous. C'est des risques. C'est beaucoup de risques. Le vieux, le voici. Ton fils, il vit. Ton fils, là, il vit. Tu veux pas que ton enfant, il est bien en France. Je te dis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est très bien, qui est généreux, qui aide les gens, qui est gentil. Madame, il ne faut pas me regarder tes yeux de sorcier. Tu ne m'as pas encore gagné. Il ne faut pas faire, je te fais traîner. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver à Divo. Mais voici les yeux. Tu me dis merci. Vous n'êtes rien. Ce que j'ai montré dans vos villages. Que Dieu bénisse. Amen. Mon enfant, il est bien. Il peut vous aider aujourd'hui. Il peut même acheter une maison pour vous. Ce monsieur-là, je l'ai pris avec moi. Parce que vous voulez le tuer. Il est gentil. Il est bien, ce monsieur. Je suis allé chez lui, tout ça. Je t'ai parlé. Ton frère, pourquoi c'est lui que vous voulez manger? Pourquoi? Pourquoi forcément tu veux lui manger? Explique-moi pourquoi. Pourquoi tu insistes? Pourquoi? Pour lui dire ça, transmets le message. Viens mettre ça sur son visage. Il dit quoi? Il ne peut pas discuter avec Dieu. Non, pourquoi lui il insiste? On lui dit laisse ton fils. Et puis lui, il persiste. Moi-même, quand on le délivre, c'est moi il attaque. Pour me déstabiliser, manger son fils. Pourquoi? On a au moment où on m'a dit que Faut pas discuter, faut pas rentrer dans les trucs ici. Faut pas rentrer dans les comédies. Si c'était d'autres personnes, ils allaient te chasser. Ils allaient te chasser. Hein? De toute façon, vous tuez là. Nous, on peut vous faire des prières, vous allez mourir. Tu vois?
Moi, je venais par les pas, j'allais te prendre mon bureau, je fais ce qu'il y a, puis je dis, va. La semaine qui suit, tu meurs. Mais pour vous dire, vos sorcelleries, là, ça c'est limite. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Et ça m'a beaucoup aidé. Comment les gens sont des stratégies, comment ils agissent, tout ça. J'ai appris beaucoup de leçons. Mais me voici. Madame, c'est là. Hein? Vos propres enfants voulaient manger, on entend des aigles et c'est vous qui voulez nous tuer. C'est à toi que je parle. C'est tout ça normal, manger ton fils. Hein? Hein? Pardon. Pardon pourquoi? Hein? Non, pardon pourquoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as attaqué comment? Hein? Il n'est pas venu pour vous attaquer, mais il a attaqué le. Non, tu es venu quoi? Je ne veux pas. Je comprends ce qu'il dit. Faut que tu il t'a délivré. Mais il n'a pas compris ce qu'il a dit. Pourquoi lui persiste dans sa mauvaise voie? On l'enlève sur une mauvaise voie et lui persiste. C'est ça mon on t'a dit clique sur le chemin des diables, viens dans Dieu. Et toi tu vas chez diable. Parce que on t'encaisse. C'est ça? On t'encaisse, il faut donner le bœuf forcé. Hein? Bon, bœuf là, moi-même là, pourquoi c'est moi que tu veux tuer? Tu n'arrives pas à attraper ton fils, c'est ça? Je te demande, il faut parler. Il faut parler, je suis en train de m'amuser. Donc il faut me tuer. Et pourquoi? Tu sais le nombre des gens que j'ai nourris? Tu as pensé à ça au moins? Tu connais le nombre des gens que j'ai nourris? Tu as réfléchi un peu à ça? Tu es venu ici, tu m'as traité? Hein? Il est bête. Donc, bête là, c'est sur moi qui vais envoyer. Il est bête comment? Il veut gâter. Donc tu veux me gâter. Mais tu as essayé. Si l'avion faisait crash. Hein? Je te demande, je parle avec toi. Ça n'a pas marché. Donc vous m'avez poursuivi jusqu'à. Mais voici. Ma vie appartient à Dieu. Amen. Je suis venu ici, je n'ai pas menacé. Je suis venu ici, je n'ai pas menacé, je n'ai pas crié. Non, moi, je n'ai pas ton cœur. Oh, le cœur que j'ai, c'est un cœur d'amour. Ce n'est pas un mauvais cœur. Mais c'est pour te dire, devant l'Église, devant les hommes, hein, que Dieu y protège. Amen. Tu comprends? Pour ton fils, on entend d'aider, tu veux me manger. Avec sauce, poulet et puis bas. C'est ça que tu ne peux pas manger. Moi, je suis choukouya empoisonné. Poulet et puis bas. Bas, c'est manioc pour tout. Bas, poulet, bas. Poulet, poulet, bas. Poulet, bas. Ça y est, ça. Tu allais détruire ma vie comme ça. Mais moi je t'aime. Mais dans un film Le Brave Gars, je vais vous mater. Amen. C'est la plus dangereuse que celle. Faut lui demander entre toi et ta femme, qui est dangereux? Parle, monsieur. On a beau maïa, il n'y a pas. Hein? Elle est dangereuse comment? Comment elle est plus forte que toi? Quand on ne fait pas, elle fait. Quand on ne fait pas, elle fait. Quand on ne fait pas quoi? Quand on ne fait pas, elle fait. On lui demandait. Entre son mari et elle, qui est fort?
On a beau moyen, on est au moyen. Qui est fort, qui est en train de faire un peu. Tu vois, non, chacun dit c'est l'autre. Elle dit c'est lui qui a pris crédit, donc c'est lui qui est fort. Non, lui il a pris crédit. On ne dit pas qui a pris crédit, mais c'est toi qui es fort. Puisque c'est toi qui es venu dans l'ascenseur, c'est toi qui m'as géré. On ne comprend pas moi, mon frère est censé dire que je ne sais pas. C'est toi qui es fort. Dans la sorcellerie, là, c'est les femmes qui sont plus fortes que les garçons. On a dit, vous avez dit, non, pas moi. Toi-même, tu sais ça. Moi, je n'ai pas dit. Ou bien. C'est très difficile à expliquer. Oui, mais c'est difficile, mais non, on voit. C'est toi qui es fort. Ton cœur est trop noir. On m'a peiné à dire quoi fort. Vous changez. Monsieur, je suis vivant. Et comme je suis vivant, vous allez sentir la force de Dieu. Amen. Je vais vous mater. Hein? Faut pas être maté. Donc c'est toi qui dois mater les gens. Hein? Faut pas être maté. Hein? Ah. Faut pas être maté. Tu dois mater les gens. Tu vas laisser. Ça, tu dis ça chaque jour. Quand tu as quitté ici. Je vais t'aider à quitter le monde. Hombre, mais je vais te mater un peu. Hein? Tu es vieux. Et puis tu vas en France. Allez vous asseoir. Ramenez dans l'air QG là. Allez-y dans le beau cœur. Que Dieu bénisse.